Écoutez bien et ouvrez grand vos yeux. Voici l'histoire de Pierre et le loup. Une histoire pas comme les autres. Écrite sur un livre pas comme les autres. L'histoire vous sera contée en musique par les instruments de l'orchestre. Comment ? C'est très simple. Dans le livre, chaque personnage est représenté par un instrument qui joue une petite phrase musicale facile à retenir. Essayons. Par exemple, l'oiseau, ami de Pierre, ce sera la flûte légère et gazouillante. Le malheureux canard, le hautbois mélancolique. Et le chat, aux pattes de velours, la douce clarinette. Quant au grand-père qui bougonne dans sa barbe, c'est le basson grondeur. À la fin, les chasseurs tireront des coups de fusil. Vous entendrez alors les timbales. Écoutez les trois cors, sévères et sombres. C'est le grand loup gris qui sort du bois. Mais nous allions oublier Pierre, notre héros. Le voici représenté par les instruments à cordes de l'orchestre. Alors, vous vous rappelez bien tous les personnages. L'oiseau, le canard, le chat, le grand-père, les chasseurs, Pierre et le loup. Et maintenant, voici l'histoire. Un beau matin, Pierre ouvrit la porte du jardin. Sur la plus haute branche d'un grand arbre était perché un petit oiseau, ami de Pierre. « Tout est calme ici » gazouillait-il gaiement. «
un canard arriva bientôt en se dandinant, tout heureux de pouvoir s'échapper de la maison. « Si j'allais faire un tour, » se dit-il. Amusé, le petit oiseau vint se poser tout près de lui. Mais quel genre d'oiseau es-tu donc qui ne sait voler ? Dit-il en haussant les épaules. À quoi le canard répondit : Quel genre d'oiseau es-tu, toi qui ne sais pas patiner ? Et l'oiseau s'élança sur la mare. Ils discutèrent longtemps, le canard glissant sur la mare, le petit oiseau voltigeant autour. Soudain, quelque chose dans l'herbe attira l'attention de Pierre. C'était le chat qui approchait en rampant. Le chat se disait : L'oiseau est occupé à discuter, je vais en faire mon déjeuner. Et comme un voleur, il avançait sur ses pattes de velours. Attention ! Cria Pierre. Et l'oiseau aussitôt s'envola. Du milieu de la mare, le canard lançait au chat des coin-coin indignés. Le chat rôdait autour de l'arbre en se disant « Est-ce la peine de grimper si haut ? Quand j'arriverai, l'oiseau se sera envolé. » Tout à coup, grand-père apparut. Il était mécontent de voir que Pierre avait quitté la maison. « L'endroit est dangereux !»
Et si le loup sortait de la forêt, que ferais-tu ? Pierre ne fit aucun cas des paroles de son grand-père et déclara que les grands garçons n'avaient pas peur des loups. Grand-père prit Pierre par le bras et le ramena à la maison. En un éclair, le chat grimpa dans l'arbre. Le canard se précipita hors de la mare en caquetant. Mais malgré tous ses efforts, le loup courait trop vite. Le voilà qui approche. De plus en plus. Il le rattrape. Et l'avale d'un coup.
Et maintenant, voici où en étaient les choses. Pendant ce temps, Pierre observait ce qui se passait. Pierre dit alors à l'oiseau « Va voltiger autour de la gueule du loup, mais prends garde qu'il ne t'attrape. » Oh, que l'oiseau agaçait le loup et que le loup avait envie de l'attraper. Pierre décrocha une corde de son violon et la descendit tout doucement. Thank you.
C'est alors que les chasseurs sortirent de la forêt. Ils suivaient les traces du loup et tiraient des coups de fusil. Ne tirez pas! Mes amis et moi avons déjà attrapé le loup! Aidez-nous à le ramener chez grand-père! Et maintenant, admirez la marche triomphale. Pierre en tête. Le grand-père, mécontent, hochait la tête en disant « Et si Pierre n'avait pas attrapé le loup, que serait-il arrivé ?»
Au-dessus d'eux, l'oiseau voltigeait en gazouillant gaiement. Comme nous sommes braves, Pierre et moi! Regardez ce que nous avons attrapé! Et si vous écoutez attentivement, vous entendrez le canard caqueter dans le ventre du loup, car dans sa hâte, le loup l'avait avalé vivant. Thank you.